Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour la deuxième partie de cette mise à jour de Final Fantasy. Alors, je vous avais laissé à la fin du donjon avec Griffon, en dernier boss. Et j'ai remarqué, pendant que je postais la première vidéo, que malheureusement, j'avais pas fait attention et le son était beaucoup trop fort par rapport à ma voix, donc je suis vraiment désolé, hein. Je vais essayer de faire mieux avec cette vidéo-là. Donc j'ai réglé, enfin j'ai baissé un tout petit peu les paramètres en espérant que ça s'entende beaucoup moins parce que le son était vraiment très fort. Donc voilà, je m'excuse encore pour ces petits désagréments, hein, vu comme je l'ai dit, c'était la première fois que je faisais du recording avec ma voix par au-dessus. Donc voilà, bon, fini de s'excuser. On est parti pour la suite. J'espère que cette fois que le son n'est pas trop bas par contre. Il me paraît un peu bas par contre le son. Oh, je pensais que c'était une relation un petit peu plus intime. Oh, tu me diras la taille. Ça fait pas de commentaire. Est-ce qu'il est vraiment mort? C'est ça la question aussi. Je vais remonter le son un petit peu, je pense. Je baisserai le son en donjon, mais je vais le monter en pendant les scènes parce que je pense qu'on entendra beaucoup moins. Enfin, déjà moi, je l'entends déjà beaucoup moins. Enfin, j'ai des problèmes de oui, mais bon, ça me paraît faible. Cette tour. Ah, pardon, excusez-moi pour le bruit. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Veille sur Rita. Ah oui, là donc on a la petite musique que malheureusement je n'ai pas pu entendre pendant le donjon parce que moi mon son était vraiment bas, alors que sur la vidéo au contraire il était assez haut. Qui m'embête un peu. Ah, on a la carte le griffon. Ça fait plaisir, moi j'aime bien. Bon, je joue pas beaucoup aux cartes, mais je collectionne moi. Donc, je vais remonter le son. Et je baisserai le son en. Si je dois retaguer en donjon, je baisserai le son pour pas vous casser les oreilles. J'ai remarqué qu'en dehors du donjon, ça allait. Enfin, c'était correct. Mais une fois en donjon, c'était catastrophique. On n'en m'entendait quasiment plus. Ouais, c'est comme ça. Il tente rien à rien. Oh, une deuxième musique. Un deuxième rouleau. Par contre, j'ai bien entendu par contre celui-là. Attendez, effet sonore, on va les baisser à 50. Ça va être compliqué tout ça, hein. Ça va être la vidéo réglage. Ambiance sonore. Alors, ambiance sonore, c'est pas trop un problème. Plutôt l'effet. On va encore baisser un petit peu l'effet sonore, je pense, hein. Mettre à 40. Voilà. Je pense que ça suffira. Donc on est reparti pour le refuge des roches. Alors je ne sais pas combien de temps, combien de temps de l'épopée nous reste sur cette deuxième partie. Donc si je vois vraiment que c'est trop court, on ira faire, oui c'est là, on ira faire le raid 24 et probablement le deuxième donjon si c'est un donjon annexe, j'irai chercher la quête et on ira se le faire. Ah oui, le réseau des mentors, je me sais c'est quoi ça déjà, mais c'est vrai que c'est pas la même couleur.
Impossible, décidément. Bon, j'espère que ce sera pas trop fort cette fois. Parce que ça m'embêterait encore d'avoir une vidéo où on m'entend quasiment pas. Mince, où je vais? Demi-tour. Bon, je vais hausser le ton au pire. On va faire comme ça. Un nouveau membre qui arrive et un qui part. Hop, bonne musique. Quel maître, tel disciple. Par contre, j'ai vraiment plus de place. Problématique. Moi ça je peux la virer, au pire c'est pas bien grave. Ah, même mes serviteurs sont pleins. Vivement qu'ils fassent une petite mise à jour de l'inventaire là qui nous rajoute des places. Attends. J'ai déjà fini? Genre sérieusement? Non. J'ai déjà terminé. Ah bah visiblement. Mince alors. J'avais pas prévu le coup. Bon bah fin de cette deuxième partie. Hein. Non je plaisante. On va aller chercher la quête secondaire pour le donjon et faire le raid 24 hein, du coup. Ah mince, si j'avais su, bah j'aurais coupé la vidéo ici de la première partie. Je pensais pas que ça aurait été aussi aussi court en fait. Bon bah attends. Je vais demander à ce qu'on chope la quête. Je pense que ça va rousser, mais bon, je vérifie. Normalement, ça devrait être idyllé. Je dis pas de bêtises. Ah, je pensais pas que ce soit aussi rapide là. Je me disais qu'il en restait peut-être encore une heure. Bah, pas du tout. Du coup, bon, vu qu'on me répond pas, je vais aller vérifier moi-même.
Ah mince alors. J'aurais dû m'en douter par contre, ouais. Ah. Bon, bah on est parti pour le Raid 24 et on va commencer par le donjon, je pense. Le Raid 24, il me semble savoir où est-ce qu'on le prend. On prend la quête, du moins. Par contre, pour le donjon, j'espère que c'est ici, que je passe pas 36 allers-retours. Ce sera assez chiant. Au pire, je ferai une ellipse. Si vraiment je mets du temps à la trouver. Pour le repos des dragons. Ah! Bon, on va pas besoin de chercher trop longtemps. Je pense que j'ai trouvé. Droite, non. Ah, mince. Alors un mug, saloperie, je peux plus les encadrer depuis, depuis leur quête là. Le mug du Fteus, on est à la recherche de quelqu'un. Bah, bah donc c'est ici. J'espère que le donjon sera aussi intéressant que le premier. Le premier, je trouve assez intéressant. Celui qu'on a fait tout à l'heure. Donc j'espère ne pas être déçu. Ah oui, c'est vrai que le Fenrir est une monture volante, ça va. J'ai eu un petit peu peur. On aura pas besoin d'aller très loin. Ouais, dans la main c'est un peu compliqué. Évidemment. Alors par contre, je viens de me rappeler que je ne sais pas si j'ai pris le carnet de Chloé. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Du coup, avant qu'on fasse le donjon, je vais refaire un tour à Ethylée parce que je suis idiot. Heureusement que je viens d'y penser quand même. Ce serait dommage d'être un peu en retard. Donc, je suis pas très fan du carnet de Chloé. Surtout que j'ai jamais de chance avec le carnet de Chloé, c'est surtout ça. Ah oui, j'avais un ancien carnet mais je l'ai pas fini. Un petit peu la flemme. Donc voyons voir qu'est-ce qu'il nous donne. Est-ce qu'il y a des quêtes différentes?
Alexander. Ça, c'est la base. Ouais, non, il n'y a pas de gros changement. D'accord. Oh, par contre, j'ai même pas regardé les loot. 190. Ah oui, mais c'est du. C'est du craft. Estinien. Oh, nice. En fait, ma chance légendaire, je l'aurais pas, mais nice quand même. Du coup. Ah oui. Avant qu'on tague en donjon, je vais pas faire la même erreur. Je vais baisser tout à peu près. Alors, je vais laisser les voix. Je vais baisser l'ambiance sonore. Je vais tout baisser en fait. Normalement, ça devrait être bon. Je vais juste laisser la musique et les voix. Donc voilà, on avait fait la muraille de Belsar. Et là, on part sur Somal Brutal. En tant que je suppose que je vais. Voilà, je vais taguer instantanément. En espérant qu'il n'y aurait pas trop de fails. Hein. Je croise les doigts. Que j'aurais trop baissé. Ah, ça va être énervant ça. Ça va vite m'énerver. Un peu fort. Bon, laisse-moi la musique. Bon, j'espère que la musique sera pas trop forte non plus. De toute façon, ça risque de prendre quelques vidéos avant de régler correctement les settings, hein, je suis désolé. On continue un petit peu. Je pense que je peux tanker ça quand même. Pas mal, hein, quand même. Ça va, ça va aller. C'est qu'ils ont tendance à aller dans mon dos. C'est pas forcément pour nous plaire. Mince, mais est-ce qu'il est pas parti? Du coup, je suis en sens qu'il est mis. Ah, je prends quand même des bons dégâts. Hein. Voilà. Imaginons, il fait pas d'AOE. Je sais pas si Mage Noir fait de là-haut en fait, j'ai pas l'impression. Ah si, les éléments ils tombent pas, c'est quand même assez étrange. Encore une fois, je suis désolé si vous entendez le clavier. Hein. Pas un clavier tout neuf malheureusement. Vas-y, je vais chercher ça. Hop. J'ai pas mon saut. Je vais mettre en sens là ce qu'ils font des AOE. Mais c'est pas vrai, arrête de te mettre dans mon dos s'il te plaît. C'est énervant. Ah, c'est ça qui m'énerve aussi un petit peu avec les mobs Demon's Sword. C'est qu'ils se mettent tous dans ton dos. Bon après c'est malin de leur part parce que j'ai moins de chance de parer, mais c'est énervant parce que du coup les cônes t'as du mal à les gérer. Peut-être pas assez baisser le son je pense. On regarde encore après, décidément.
assez tanky ceux-là. Pourtant nos DPS ils ont l'air d'avoir du stuff, c'est bizarre. C'est une impression. Bon c'est probablement une impression. Peut-être pas en fait. C'est à moitié AFK non? Mira, faut bouger s'il te plaît. Non? D'accord. Bon, j'ai baissé pour être sûr, tant pis. Ah, premier boss, du coup on va devoir attendre notre ami la mage. J'espère qu'il ne sera pas FK trop longtemps. Ah bah ça va. Chance. Par contre, je ne connais pas du tout le boss. Pierre, tu découvres, tu fais comme moi, mon ami. Je pensais qu'il allait faire un crachat de flamme. Ah, sac de sport. Alors, j'avais vu une petite vidéo sur le trailer, mais je me souviens plus. Ah, oui. On va se taper de là-haut, je le sens. Voilà, oui. Je m'en rappelle un petit peu quand même. Il va falloir faire attention, je me place. Moi aussi, ça a l'air safe. D'ailleurs, si vous voulez que j'arrête de parler pendant les combats, dites-le, hein, je couperai le micro. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler dans la première vidéo. Je vais me mettre là-bas. Parce que je sens que ça va être un gros sérieux. À l'abri. Lucius. C'est un debuff, Lucius. D'accord, donc les grandes plantes font... Non, ça va y pas apporter, j'ai eu peur que celui derrière moi il se prenne des dégâts. Non, ça va y pas apporter. Donc les grandes plantes font des grosses zones au sol en fait. Les petites, ça va, c'est une petite AOE en dessous d'elle. Mais les grosses plantes, c'est des AOE qui font toute la carte et plus vous êtes proche, plus vous prenez de dégâts. Bon, vous avez dû le remarquer aussi, mais bon, je précise quand même. Toujours bon à savoir. Apparemment le boss slow aussi. Par contre lui il a un peu du mal à suivre mes mouvements aussi. Enfin, on se place. Bah, lui, il vient tout le temps à côté de moi et moi, je suis tout le temps à côté de lui, du coup, c'est problématique. Oh, des bottes. Ça fait plaisir, ça. Je pense pas que je les aurais, mais bon. Ça, je fais mina, non, quand il court. J'ai un doute. Ouais, si, c'est un passage féminin. Je vais juste prendre ce petit pack. Allez doucement. Faille
pas voir la petite AOE. Le heal n'a pas le temps de la d'esquiver par contre. Je vais me tourner. Ah oui, c'est vrai. Faut que je pense à parler plus fort, sinon vous risquez de pas m'entendre. Ça va être compliqué tout ça. Le deuxième boss, normalement, c'est un... Si je me rappelle bien, dans le trailer, ça doit être un très grand dinosaure. Quelque chose comme ça. Avec sa gorge qui s'éclaire de temps en temps. Donc je sais pas s'il va cracher des flammes ou une connerie du genre. Alors attention à pas que je prenne l'aggro, je vais prendre un mage. C'est les def. Trouver la mana elle part extrêmement vite, faut faire attention. Toujours surveiller. Peut-être aussi des petits tutos sur le tanking de base. Je pense que ça pas du tout pour des pros, hein, mais au moins pour ceux qui débutent le tanking, savoir quoi faire, quelle situation, comment bien gérer sa mana, ses points de technique, si jamais vous jouez voir. Ça peut être sympa. Ouais, je vais chercher le gros aussi. On va se prendre la tête. Voici juste après de toute façon. Ah! Problème, il est pas tout seul. J'avais pas prévu. C'était pas prévu au programme ça. Bon, maintenant vous le savez. Vous pouvez pas tout. Faites pas comme moi. Bon, apparemment ça va, j'ai un bon heal. On va pouvoir tenir. Et ça c'est un coup à faire wipe la team. Si vous connaissez pas un donjon, allez-y doucement. Chose que je ne fais pas. Hein. Je suis à court de mana. Bon, ça va aller assez vite. Et on va arriver. Ah justement le boss que je vous parlais là, le sac à main. Ouais, il ressemble plus à un crocodile qu'autre chose. On n'a pas fini. D'accord. Ah, il y en a deux cette fois. J'ai plus trop de mana donc j'ai pas mis à faire des AOE. J'ai plus trop de CD défensifs non plus. Lui je tombe bien, du coup on va se concentrer sur celui-là. Par contre ils font assez mal. Hein. Assez mal les mobs. Ah, c'est dommage, il m'aurait demandé avant, j'aurais fait avec lui. Parti pour notre ami sac à main Goro. Ah bah tiens, comment? Ah, oh, d'accord, apparemment il met des coups de queue sans mauvais jeu de mots, hein. Il met un debuff aussi, réduction de soins. Faire attention, d'accord, donc il fait que derrière lui, c'est pas... Je sais pas ce que c'est. Les gars, j'ai augmenté. Ah, ça fait pas plaisir. Attention à la queue. D'accord, donc là maintenant c'est de la OE. Ok, donc quand il est enragé, c'est... Là par contre ça c'est derrière. Trop lent, je suis déçu. J'ai pas le temps de passer. D'accord, j'ai pas le temps de passer à côté de lui, il faut que je passe derrière lui tout de suite. Là c'est une charge, d'accord, donc c'est comme c'est juste un reskin des vieux mobs. Là il va lancer une boule de feu, donc c'est ça, c'est juste un reskin. Alors attention à ce qu'il fait.
fait. Donc là il s'énerve. Donc s'il fait un coup de queue, je dois m'éloigner. Voilà, la griffe, j'ai le temps d'esquiver. Par contre, c'est pas malin. C'est une charge. Si un coup de queue, je rappelle, faut s'éloigner. Faut pas, décaler. Là, c'est un lancer, voilà. Lancer de flamme. Crachat de flamme, pardon. Un lancer de flamme, c'est un crachat. Enfin, il y en a deux types, il y a une où il envoie une boule de feu, là, c'est la charge. De toute façon, vous voyez, quand il fait la charge, il y a toujours son épaule droite qui va un peu plus en avant. C'est le coup de queue, il faut s'éloigner. Je suis pas dedans, ça va. Mais il y a quand même bonne portée, ça va, l'animation est plus courte que... Enfin, la portée là, est trompeuse. Quand vous regardez l'animation, vous avez l'impression qu'il vous touche, mais moi il m'a pas touché, alors pourtant j'ai l'impression d'être dedans. Alors attention à ça. Après, si vous pouvez éloigner un petit peu plus. Voilà, là par exemple, là, c'était de l'AOE. Donc quand il est pas rouge, vous pouvez juste vous mettre sous le côté ou derrière lui, ça passe. Mais si jamais il est excusez-moi, s'il est en énervé, en in-rage, faut vous éloigner parce que sinon vous allez vous prendre des dégâts tout autour de lui. Quel il focus. Visiblement il y en a un qui focus celui de droite et l'autre focus celui de gauche. C'est vrai que j'oublie toujours de claquer Delirium. C'est idiot parce que c'est vraiment utile comme attaque. Oh, ça va, le donjon assez sympathique. Bon, pas compliqué, hein. Il est vraiment pas compliqué. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. On peut faire la mauvaise langue. Le donjon est pas mal. Bah, du coup, je pense que je vais. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui s'incruste. Je pense que je vais. J'arrêterai la vidéo à la fin de ce donjon. Et je ferai une vidéo pour le donjon 24 du coup. Ça va être que ce soit trop long. Comme j'ai dit, j'avais prévu que j'avais prévu que l'épopée dure un peu plus longtemps. Genre encore une petite heure au moins. Et bah pas du tout. Bon, j'aurais dû m'en douter aussi, hein. C'est ma faute. Ah, il tank hein, quand même. Hein. Ouais, j'ai mal géré ma mana par contre. J'aurais dû attendre un petit peu. Bon, c'est pas grave, je récupère le CD. Donc, oui, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo à la fin de ce donjon. J'irai rendre la quête et je ferai une nouvelle vidéo pour le donjon 24. Je pense que ce sera plus agréable parce que là, déjà, celle-là, elle doit faire 30 minutes, je pense. Et c'est déjà assez long à upload, hein, parce qu'une heure et demie, ça me met quoi, 2h30, 3h à upload. Donc on va juste faire le donjon là, tranquillement. Ouais, j'en ai pas besoin de ça. Je suis idiot. Ouais, pas ça. J'ai oublié de pas, n'oubliez pas de faire des AOE, hein. Je dois garder l'aggro, n'oubliez pas de claquer vos CD parce que j'ai encore failli oublier et j'ai failli me prendre une torgnole. Il a l'air d'avoir des dégâts magiques.
Alors pleurette par contre je pense pas que je le ferai sans vanillant, je pense que je le ferai une fois que je l'aurai fait une fois ou deux. Je sais pas, je verrai. Ça peut être intéressant, mais après si ça met trop longtemps à finir le raid, ça pourrait être assez compliqué quoi, si on met 1 heure, 2 heures. Mon healer, mais il pue là par contre. J'allais dire, je vois mon healer qui bouge plus, j'étais là, j'étais pas bien. Il était clairement pas bien. Encore un Bagdad. Il en a plus encore. Je vais focus celui-là parce qu'apparemment. Je vais prendre cher hein, par contre. Ça va la tuer avant. Mais je peux pas le stun. J'ai encore l'aggro. Ah j'ai encore l'aggro mais tout juste. Alors le dernier boss, c'est un... Ah oui, c'est un reskin du boss des premiers donjons, je crois, le L17. Alors, ça, c'est une sorte de reskin, je pense qu'il doit avoir les mêmes compétences. Quasiment les mêmes, du moins. D'accord, ok. Sauf derrière lui. Ça laisse pas de zone au sol, c'est bon à savoir. Alors ce qu'il a un mode en rage aussi. Donc là lui il est tout seul. D'accord. Jump, donc il doit laisser la personne. La personne doit être toute seule. Des zones au sol. D'accord, donc le jump laisse une. Trop tard. Je suis en train d'expliquer, je me suis pris des dégâts pour rien. Siffler, donc ça je suppose que ça va être des ZAD. Étonnant. Je l'avais pas vu venir. Attention à pas te mettre devant. J'ai des ZAD. Ah j'ai pas mon CD. Secousse. Donc oui, comme je disais, le jump qu'il fait sur une personne, ça laisse une flaque de lave. Donc pensez-vous à mettre sur les coins, pour pas embêter les gens. Parce que si on a beaucoup, ça va être compliqué. Regardez, hop, petite flaque. Là, hop, quand il fait transpercement mortel, pardon, vous claquez un CD défensif. Vous allez prendre au moins mid-life, environ. Si vous pouvez soulager votre healer, c'est toujours ça. Toujours ça de prix, hein. C'est quand même assez stressant jouer healer. Oh d'accord, donc il le fait 2 fois. Donc la deuxième fois c'est bon à savoir, il fait un cône, enfin, vous devez mettre derrière lui puis après repartir à la position initiale. Fusion, d'accord. Bon, plein de choses à savoir. Je vais claquer mon CD, bon je prends pas trop chaud. J'ai rien dit. Bon, j'ai claqué mon immortalité pour rien. Enfin, mon living dead. Mort vivant. C'est pas grave, vaut mieux prévenir que guérir. Si jamais je me prenais une autre claque, j'aurais pas apprécié. Donc là, il le fait 2 fois. Attention aux AOE. Apparemment, maintenant, ça laisse des. Ah, les flaques grandissent. Attends. La vache, ah oui, quand même. C'est pas qu'un peu, quand même. À cette problématique. On peut pas les absorber, les flaques.
Ah, j'ai pas le temps de le claquer, j'ai pas vu. Oh non, mais... Ça va être chiant. Ça va être très très chiant. Ah, les flaques grandissent. Hein. Et bientôt, il n'y aura plus de place. Est-ce qu'on manque de DPS? Parce que là, si vous n'avez pas ces DPS, vous allez rester longtemps dans les flaques. Ça va être problématique. Je sais pas à quel intervalle elles grandissent. Si c'est lié peut-être aux ZAD aussi. Parce que je sais que les ZAD, j'avais l'impression qu'ils font... J'avais l'impression qu'ils font des attaques... 40 radars dans le sol. Bizarrement, les flaques sont devenues assez grandes. Donc, je sais pas si c'est lié. Ah, t'es emmerdant. Ah, lui par contre, il va se prendre des dégâts. Ah, ça fait mal, hein. Sur un DPS, il prend mid life. Vous prenez vraiment pas ça, hein. Là où en cône, là. Mince. Pensez toujours, hein, la politesse. Bonjour, au revoir. C'est la moindre des choses. On va le mettre au heal, il est quand même bien géré. Ah, c'était les Français. J'aurais dû regarder. Soit en général, pour savoir la langue de votre team, vous regardez avant. Faites ça. Dragon. Je vais essayer de le choper. Ah, non, là, t'as fait besoin, je suis un peu déçu. Bon, c'est pas grave. Bon bah voilà, bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, je suis un peu désolé quand même encore pour les petits soucis de son, hein. Va falloir que je regarde ça un peu plus près. Faut pas que ce soit trop fort et pas trop faible, hein, sinon vous allez rien entendre. Au contraire, vous allez trop entendre le jeu et pas assez ma voix malheureusement. Donc bon, après bon, je voulais une vidéo un petit peu plus longue, mais bon, vu que l'histoire s'est terminée et qu'on vient de faire un donjon, je pense qu'on va s'arrêter là. Et pas refaire une vidéo d'une heure, une heure et demie comme j'avais fait dans la vidéo précédente. Donc prochaine vidéo, ce sera sans doute sur le Raid 24, hein, comme j'en ai parlé juste avant. Je pense que je le ferai, je sais pas, soit je le ferai une fois, deux fois, et je vous ferai une vidéo une fois que je suis sûr qu'on maîtrise bien le sujet, soit je vous ferai ça vanilla, hein, c'est-à-dire qu'on fera ça sans avoir rien fait, sans avoir vu de vidéo ni rien d'autre, hein. on ira au casse-pipe. Donc voilà, au pire, dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, si on y va vanilla ou si... Si vous voulez plutôt que j'attende un petit peu, que je le fasse une fois, deux fois, puis une fois que je suis sûr de ce que je fais, que je vous fasse une petite vidéo. D'accord? Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à une prochaine fois!